السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Barakallahu fikoum, merci beaucoup d'être là. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, à mes frères, à mes sœurs, à mes enfants. Mohamed Chakr, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, hayyakallah. Le son est bon, alhamdulillah, barakallahu fikoum, merci. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur nous tous, amin ya rab, et que cette paix règne dans ce monde avec beaucoup d'injustice, et qu'Allah nous permette d'être juste envers nous-mêmes, juste envers Allah, juste envers tout le monde, amin ya rab alamin. Alors, alhamdoulilah, on va remercier toujours, toujours, toujours notre Seigneur de faire partie justement de ces assemblées, de ces cercles spirituels, de ces moments passés autour du Coran, les paroles d'Allah Azzawajal. Ces paroles existent encore, ces paroles vivent avec nous et elles sont là pour nous, pour celui qui veut se soumettre entièrement à Allah, pour celui qui veut connaître Allah, pour celui qui veut méditer, pour celui qui veut se rapprocher de son Seigneur et se rapprocher de sa communauté. Celui qui veut se connaître et connaître son Seigneur doit absolument faire du Coran un livre au quotidien. Ou au moins, dans la semaine, un moment où il se pose et il médite les versets d'Allah. C'est ce qu'on tente de faire chaque week-end. Et pour cela, on remerciera jamais assez Allah Azza wa Jal. Vous avez vu qu'avec les Bani Israël, Allah leur a demandé « Wadhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum » « Souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblé » Et Allah Azza wa Jal ici nous donne une leçon de sagesse, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier celui qui ne nous oublie pas. C'est une parole, subhanallah, quand on mangeait à table quand on était petit, ma mère, subhanallah, elle nous disait souvenez-vous toujours de celui qui ne vous oublie jamais. Subhanallah, elle voulait nous dire en fait, dites bismillah avant de manger. Alors, et oui, ces moments passés ensemble, pleins de fraternité, pleins de bonheur, pleins de joie, de sérénité autour de ce live, autour du Coran, c'est un moment, subhanallah, où on va se rappeler notre Seigneur et on va se rappeler qu'on a une âme qui sera interrogée. Et on a une âme qui va se présenter auprès de son Seigneur avec quel bagage, Allahu a'lam. Mais Allah n'oublie jamais ce qu'on fait, ce qu'on dit. Il faut être prudent et puis purifier son âme. Subhanallah, c'est la mission de tous. Arriver auprès d'Allah en ayant purifié ce cœur et en présentant uniquement un diamant pur pour Allah Azza wa Jal. Alors, un des objectifs de ce live, subhanallah, c'est de purifier son cœur, purifier son âme, de le nettoyer des péchés, des grands péchés, des erreurs, de la rancœur, de la douleur, de la souffrance, et de se dire, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, ne s'est jamais arrêté dans sa mission. De Ibrahim, alayhi salam, à Nuh, à Lut, tous les prophètes et messagers ne se sont pas arrêtés dans leur mission. Ils ont honoré cette mission. Et nous aussi, subhanallah, puisqu'Allah azawajal a dit aux anges, il a déclaré aux anges, qu'il va créer un khalifa sur terre, un être responsable. Soyons responsables de nos actes, soyons responsables de nos erreurs. Quand il y a une situation difficile que l'on traverse, comprendre où est mon erreur et ne pas chercher toujours l'erreur des autres.
On va se perdre. Wallahi, on va se perdre et on va se faire du mal. Alors, un des rappels essentiels dans la semaine, c'est aussi le rappel autour du Coran. Et pour cela, on va encore une fois remercier notre Seigneur, Sa Majesté, celui qui nous a créés et vers lui nous allons revenir. Il y a un début, il y a une fin, il y a un retour, c'est le retour auprès d'Allah Azza wa Jal. On ne va pas rester éternellement auprès de nos parents, on ne va pas rester éternellement auprès de nos époux, de nos épouses et de nos enfants, ou de nos frères et de nos sœurs. On va revenir auprès d'Allah comme on est venu tous au début. Deuxième sourate du Coran, sourate al-Baqara, la sourate de la vache. Aujourd'hui, c'est la 19e partie. Mashallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, on avance. On aime cette sourate et on a envie de la découvrir encore. Elle nous parle, elle parfois nous secoue aussi avec bienveillance. Et c'est une sourate révélée à Médine parce qu'il y avait les juifs dans la ville de Médine avec 286 versets. Et aujourd'hui, nous allons méditer les versets 124 à 129. Alhamdulillah, vous avez vu que on n'est pas très loin de la moitié. Allah Ibarak, on remercie beaucoup notre Seigneur. Alhamdulillah, on est reconnaissant de ses faveurs. N'oubliez pas de partager, c'est une petite aumône, une petite sadaqa. Wallahi, vous ne savez pas, subhanallah, où est-ce qu'elle va arriver, pour quel cœur, pour quelle personne. Partagez, bismillah, et laissez entre les mains d'Allah. Allah Azza wa Jal est juste parfait et magnifique. On a vu ensemble hier, donc vendredi, que Allah Azza wa Jal, dans cette sourate, c'est un moment adressé aux Quraishites, aux notables de la Mecque, à cette élite qui gouverne, qui a un pouvoir, qui pense qu'elle a les droits sur tout. Allah leur a demandé de se soumettre à leur Seigneur et ils vont rebeller. Ils ne vont pas accepter les commandements d'Allah. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont même posé des questions, un peu dans le style des Bani Israël, de ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire montre-nous Allah. Et envoie-nous un signe, un miracle. Comme si le Coran n'était pas un miracle. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Wallahi, c'est comme ça qu'il faut le considérer. De se dire, de prendre le Coran dans les mains et de se dire, c'est un miracle. Ce sont les paroles directes d'Allah. Ce sont vraiment les versets d'Allah. Et vraiment, on doit avoir un certain comportement, un certain respect, un certain amour pour ce livre, ce Coran. J'ai entre les mains, subhanallah, les versets que le prophète a récités, que les compagnons ont récités, et il n'a jamais été changé, ce livre, et jusqu'à moi, il est resté. Alors ce livre, subhanallah, il faut absolument le prendre. Ce sont les paroles miraculeuses d'Allah. À chaque fois qu'un verset est prononcé, une lettre, c'est dit Hassanat. Une lettre, Allah t'en récompense. Et pourtant, on peut lire un livre en arabe, on n'aura pas la même récompense. On peut lire une histoire dans un livre arabe ou dans un livre de fiqh, ça ne sera pas la même récompense. Il y a une récompense particulière pour une lettre. Tu dis par exemple, Bismillah, le bi, dit Hassanat. Le sin, dit Hassanat. Vous voyez, subhanallah, alors il est important de bien comprendre que nous tenons dans notre livre et on doit le réaliser, on ne doit pas banaliser ce livre céleste, ce livre qui, subhanallah, jusqu'à nos jours est là et dont Jibril, alayhi salam, le plus grand des anges, le plus important des anges, est descendu du haut des sept cieux jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui révéler tous ces versets. Alors à nous de bien comprendre la valeur de ce Coran, de lui donner sa juste valeur et de se dire, subhanallah, je dois retourner au livre, le livre que les Bani Israël ont rejeté, les juifs, et que les chrétiens ont rejeté et ils n'ont pas voulu suivre notre religion. Allah Azza wa Jal dit au sujet des Arabes, de cette élite, ils sont comme ceux qui étaient avant eux, rebelles, ils s'entêtent. Leurs cœurs sont les mêmes. Et par la suite, vient juste après, eh bien, le comportement des juifs et des chrétiens, ils ne veulent pas de l'islam, tout simplement. Ils veulent que nous suivons, la dernière religion doit suivre les juifs et les chrétiens. Quand je vous dis qu'il faut absolument
être fier de sa religion, ne jamais céder pour sa religion, ni... Subhanallah, je ne sais pas si vous avez vu cette Palestinienne qui a fait de la prison et dont le visage, subhanallah, a subi des brûlures et voilà, en prison, on lui a fait du mal. Et oui, on va se battre pour notre religion. C'est une belle religion et on se bat par le meilleur des comportements, le comportement qu'Allah aime et apprécie. Alors, ils ne nous suivront jamais. C'est quelque chose d'acté chez eux. Et ils vont tout faire pour nous détourner, nous, de notre religion. Par les plaisirs, les désirs, par les péchés, les petits, les grands, par ce qu'Allah a interdit dans le Coran, ils vont tout faire pour nous le présenter de manière enjolivée. À nous de réfléchir, à nous de méditer et à nous, subhanallah, d'être respectueux des valeurs de cette religion. Allah nous a demandé de ne pas suivre les passions une fois qu'on a écouté le Coran, une fois qu'on a pris connaissance des lois d'Allah dans son livre, de ne pas outrepasser les limites et même si ça devait arriver, il faut bien entendre une chose, l'estighfar tout de suite, le repentir tout de suite. Alors je ne suis pas en train d'encourager vers le péché et dire après tout de suite je vais laver. Non, je vais vers les bonnes actions. Et à un moment donné, quand il y a un moment de faiblesse, ce moment-là, cet instant-là, eh bien, je dois toujours rester en éveil. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Maintiens l'istighfar malgré tes péchés. Et ceux qui ont reçu le livre, Allah Azza wa Jal nous dit, et qui croient au Coran, donc au livre, eh bien, le suivent. Si tu crois en Allah, en ses prophètes, ses messagers, au livre céleste, tu dois le suivre, ce Coran, tu dois l'appliquer. Tu ne peux pas faire autrement. Sinon, subhanallah, il y a un problème dans ta foi. Et puis, Allah Azza wa Jal va envoyer un message important au Bani Israël. Encore une fois, et encore une fois, il leur demande de se souvenir des bienfaits, des cadeaux d'Allah qu'il leur a accordés. Alors, se souvenir, subhanallah, que l'appartement dans lequel je vis, c'est Allah qui me l'a donné. Et puis le fait qu'on ait grandi, c'est Allah qui m'a permis. Et la situation dans laquelle je suis professionnelle ou autre, c'est Allah qui me l'a offerte. Cette intelligence, Allah me l'a donnée. Le fait d'aller vers la salat, c'est Allah qui m'a permis. Il y en a d'autres qui ne prient pas. Il y en a d'autres pour qui la salat, ça reste quelque chose d'impensable. Alors à nous d'être reconnaissants des faveurs d'Allah et Allah leur a demandé de craindre le jour du jugement parce que les juifs et les chrétiens sont dans l'inad, ils s'entêtent, ils sont dans l'estikbar, l'orgueil, ils se croient supérieurs à Allah, supérieurs à la vérité, supérieurs aux prophètes et messagers et maintenant supérieurs à notre communauté. Et Allah Azza wa Jal, on a terminé par ce verset, il ne fait aucune faveur à qui que ce soit le jour du jugement. On a vu le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait à sa fille Fatima, « Ya Fatima, œuvre, parce que je ne te serai d'aucune utilité le jour du jugement auprès d'Allah. » Alors, nous aussi, on doit œuvrer, 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 parce que ce qui va nous sauver, c'est la crainte d'Allah et les bonnes actions sincères pour Allah. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de pouvoir méditer. Alhamdoulilah, on remercie notre Seigneur de nous accorder ces moments de spiritualité, ces moments forts de sérénité. On partage et on repartage, même si on l'a fait. Alhamdoulilah. Et on va commencer l'explication des versets. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Verset 124. Et quand ton Seigneur a fait passer l'examen, le test à Ibrahim par des paroles, et Ibrahim a réussi le test. Allah lui dit, je ferai de toi pour les gens un modèle. Ibrahim a dit, je te demande que mes enfants soient aussi
des modèles. Allah lui répond, cet imama, donc Allah lui a donné, cet imama ne peut pas être pris par les injustes. Alors, qu'en est-il de l'histoire de Ibrahim alayhi salam? Il faut savoir une chose, mais on répondra à cette question demain, inshallah, dimanche. Les juifs ont revendiqué faire partie de la tradition d'Ibrahim alayhi salam, eux qui rejettent tous les prophètes et les messagers. Pour Ibrahim, ils se sont estimés faire partie de la famille d'Ibrahim alayhi salam. Et puis, ils ont prétendu suivre la tradition de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. La religion d'Abraham, c'est comme ça qu'ils le voient. D'ailleurs, vous avez des prénoms dans cette communauté sous le nom de Abraham, donc Ibrahim. D'un côté, les juifs ont dit que Ibrahim était juif, et de l'autre côté, vous avez les chrétiens qui disaient que Ibrahim était chrétien. Je vous ai dit hier, subhanallah, que les juifs et les chrétiens ne s'entendaient pas, mais ils vont s'entendre sur une chose, subhanallah, c'est de combattre les musulmans, c'est de déclarer cette animosité aux musulmans. On ne les supporte pas, ces musulmans, à tel point qu'aujourd'hui, eh bien, il va falloir aussi donner des noms bien particuliers. Et puis le nom musulman, il viendra après. Soyons fiers de notre religion. On ne change absolument rien. Les prénoms qu'on a, eh bien, ils sont importants. Et ce sont des prénoms qu'on a choisis, nous, et personne d'autre choisira à notre place. Allah Azza wa Jal nous dit... Rappelle-leur, ya Muhammad, rappelle à ta communauté, rappelle aux juifs de Médine. Et quand ton Seigneur a fait passer l'examen, le test à Ibrahim, parce qu'il devait mériter cette imama, Ibrahim alayhi salam, c'est le père de tous les prophètes et les messagers. Et Allah va lui donner cette prophétie, cette imama, imam vient de imam devant. Il est au-dessus de tous les prophètes, subhanallah, et il est en fait l'imam, le guide de tous les prophètes qui vont suivre après lui. Alors, toute descendance après Ibrahim alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute cette descendance, ce sont des enfants, enfants, d'enfants, c'est une descendance, subhanallah. Eh bien, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal en a décidé ainsi. Ibrahim jusqu'à Muhammad, alayhi salatu wassalam, ce sont des enfants, issus d'enfants. Et Allah va le tester. Allah va l'éprouver. Allah va lui faire passer des examens, lesquels, il y a irtilef des savants, par des paroles. Alors, un des sens que les savants ont donné, c'est par ce qui est obligatoire et interdit. Et puis, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'Ibrahim a réussi le test. Un autre tafsir, une autre explication de ce verset, c'est qu'il avait toutes les qualités qu'Allah apprécie. La sadaqa, le croyant musulman soumis, subhanallah, celui qui jeûne, celui qui accomplit la salat, la zakat, il avait toutes les qualités. Et d'autres savants ont expliqué que, subhanallah, il avait réussi justement tous ces tests et différents tests. Le test avec les statues, le test avec son père, le test, subhanallah, avec son peuple quand il va être jeté dans le feu, le test du Namroud, le roi quand il va quitter l'Irak pour aller dans un autre pays, puisque le roi lui dit qu'il est Dieu. Ibrahim alayhi salam va lui demander, puisque le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, il lui dit, Allah, fais lever le soleil à l'est. Fais-le, toi, lever à ton tour et on verra, subhanallah, si tu en es capable. Inna Allah ya'ti bi-shamsi min al-mashriq ila al-maghrib, fa'ti biha min al-maghrib. Il lui dit, et fais lever le soleil de l'autre côté, subhanallah.
voyez cette perspicacité, cette intelligence, cette répartie qu'avait Ibrahim alayhi salam, et cette douceur dans les paroles parce qu'il était doux avec son père. Il a choisi les bons mots dans sourate Maryam alayhi salam. Il avait choisi les bons mots, il avait choisi les mots justes et bienveillants pour échanger avec son père. Et puis, on sait aussi, subhanallah, qu'il a été testé lorsque il va quitter la Palestine et il va laisser Hajar Ismaïl à la Mecque. Et il va être testé lorsqu'il va devoir égorger Ismaïl, alayhim as-salam. Et puis, quand ils vont construire la Kaaba, tous les tests ont été réussis par Ibrahim, alayhi salam. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut considérer Ibrahim, celui qui a réussi tous les tests. Il a gardé la foi, le bon comportement, les bonnes paroles, comme Allah l'a voulu. À nous de comprendre le sens de ces épreuves à travers Ibrahim, alayhi salam. Il a réussi tous les tests. Et puis, nous, on est concernés par les parents, par les enfants, par les frères, par les sœurs, par la famille, par les amis, par le travail, par l'époux, par l'épouse. Subhanallah, par les non-musulmans, on doit à chaque fois réussir le test. Vous allez me dire, oui, mais j'ai pas réussi avant. Alhamdoulilah, c'est pas grave. On fait un repentir sincère et on se dit, à partir de maintenant, je vais garder la foi, le meilleur comportement, peu importe ce que vont dire les gens, peu importe ce que vont penser les gens. Moi, j'agis comme Allah aime et comme Allah le souhaite. Et donc, il a patienté face à toutes ces épreuves. Ça a commencé très jeune, subhanallah, il avait 16 ans, par exemple, pour l'histoire des statues. Et Allah azawajal va l'accompagner. Et il va même dire, Allah a été d'une grande générosité envers moi. Allah lui répond, cette imama ne peut pas être pris par les injustes. Mais juste avant, Allah lui dit, je ferai de toi pour les gens un modèle. Ibrahim est un modèle pour nous en termes d'actes et de paroles. Alayhi salat wa salam. D'ailleurs, on le mentionne dans At-Tahiyatu lillah wa tayyibat. On fait As-Salat al-Ibrahimiyya. Et Ibrahim a dit, je te demande, mon Seigneur, que mes enfants soient aussi des modèles. Alors souvent, subhanallah, on pose la question, comment éduquer ses enfants? Juste par parfois des du'as. Ya Allah, je te demande, c'est toi qui vas m'aider, c'est toi qui vas les guider, c'est toi qui vas leur permettre d'être croyants et musulmans soumis à toi. Ya Allah, fais que mes enfants soient des modèles pour les gens, pour la communauté et pour les gens. Tout simplement, subhanallah, et laissez entre les mains d'Allah. Regardez, Ibrahim alayhi salam, on en parle jusqu'à nos jours et on nomme nos enfants par le prénom Ibrahim. Alors, tous les prophètes se devaient de suivre Ibrahim alayhi salam et nous devons aussi le suivre dans le tawhid, l'unicité d'Allah, et à nous de comprendre correctement ce verset et d'invoquer Allah azawajal pour nos enfants, tout simplement. Il n'y a pas de recette miracle, ça n'existe pas avec les enfants. Déjà, c'est au cas par cas, c'est-à-dire, même dans une fratrie, il y a des enfants qui ne se ressemblent pas. On va devoir s'y prendre d'une autre façon. Cette doha, elle vient faire confiance en Allah. Ya Allah, je te confie mes enfants et je te demande de faire d'eux des modèles. Regardez, subhanallah, le chaos dans cette société. Nos adolescents, regardez les jeux de console, eh bien, ils en ont fait une réalité. Ça tue, ça insulte, et on est loin du bon comportement. Et on a quand même quelque part une responsabilité dans ces jeux. Ne pas se dire, oui, il y a une gestion des jeux. Ça s'est répandu, mais ça fait mal dans la communauté, ça fait mal pour la société. Allah va lui répondre, cette imama, être modèle, être prophète, eh bien, cette imama ne peut pas être pris par les injustes. Et être un modèle, on ne peut pas être un modèle et être injuste en même temps. Ceux qui font partie des modèles, des vrais modèles, sont justes et bienveillants. À nous de comprendre le sens de ces versets, l'explication donnée par les savants, parce que ce verset prouve aussi au Bani Israël que l'imama, eh bien, c'est Allah Azzawajal qui la donne. Quand on est un modèle pour les autres, pour ceux qui craignent Allah en tant qu'époux, épouse les enfants, c'est Allah qui donne.
qui fait en sorte que tu sois un modèle. Ça ne vient pas de toi, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Et ils n'ont pas obtenu, ces prophètes et messagers, cette prophétie par eux-mêmes. Ils n'ont pas décidé un jour, ah tiens, je me lève, je suis prophète messager. C'est quelque chose qu'Allah offre et donne et ça se mérite. Il faut être juste, bienveillant, plein de rahma, plein de douceur, pas de rancœur, pas de colère. À nous de suivre les pas de ces prophètes et messagers avant même de recevoir la prophétie. Allah Azza wa Jal a vu leur cœur et ils étaient épargnés de tout péché. Verset 125 de Sourate Al-Baqarah. Allah Azza wa Jal nous dit « وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ » Et nous avons fait de la maison de la Kaaba un lieu de retour, un lieu de récompense pour les gens et un lieu de sécurité et de protection. Et prenez la station de Ibrahim comme lieu de prière. Et nous avons demandé à Ibrahim et Ismaïl de purifier ma maison pour ceux qui veulent tourner autour de la Kaaba et pour ceux qui veulent s'asseoir autour de la Kaaba et pour ceux qui s'inclinent et se prosternent pour se rapprocher d'Allah. Alors, cette fameuse Kaaba. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait tawaf et il va prendre la main de Omar radiallahu anhu et il va l'emmener vers Maqam Ibrahim. Vous voyez ce petit lieu où on voit les traces de pas d'Ibrahim alayhi salam. On dit même que c'était une pierre sur laquelle il s'était posé dessus et cette pierre, Allah lui a ordonné de se lever à chaque fois que Ibrahim alayhi salam terminait les fondations de la Kaaba. Et c'est pour ça qu'il y a les traces de pas dans cette pierre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, ceci est le maqam de Ibrahim, ceci est la station de Ibrahim. Et Omar radiallahu anhu lui pose la question, est-ce qu'on doit considérer ce maqam comme un lieu de prière, là où on prie, subhanallah, et le prophète alayhi salatu wassalam va recevoir la révélation de ce verset, c'est-à-dire et nous avons fait de la maison de la Kaaba un lieu de retour et un lieu de récompense pour les gens. Un lieu de retour pourquoi ? Chaque année, vous avez des musulmans qui veulent faire la Umra ou le Hajj. On veut revenir à cette Kaaba. Il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de magnifique autour. Et un lieu de récompense, on est récompensé. Regardez le prix du Hajj exorbitant. Et malgré ça, vous avez des cœurs qui veulent se rendre auprès de la Kaaba, auprès de cette maison qui nous rappelle Ibrahim alayhi salam et Ismaïl. Allah Azza wa Jalla nous dit que cette maison, c'est un lieu de retour, un lieu de récompense de Hassanat, puisqu'on est récompensé par Allah lorsqu'on fait une Umra ou un Hajj, et un lieu de sécurité et de protection. Il n'y a aucun mal, on ne peut pas subir quoi que ce soit. Vous avez parfois des hommes qui vont vouloir faire du mal à l'imam ou s'en prendre à la Kaaba. Il y a une garde, la garde rapprochée d'Allah, parce qu'Allah il a ses junoud, ses soldats, et vous avez, c'est vrai, des hommes, mais c'est Allah qui empêche puisque cette maison est protégée. Et souvenez-vous de Sourate Al-Fil, l'histoire de l'éléphant. On avait demandé à un éléphant d'aller détruire la Kaaba et cette Kaaba, cette maison d'Allah a été protégée puisqu'Allah va envoyer des oiseaux qui vont jeter, subhanallah, des pierres venant de l'enfer et qui va empêcher, subhanallah, les gens de détruire la Kaaba. Et prenez la station d'Ibrahim comme lieu de prière. Ici, lieu de prière a différents sens. C'est un lieu de pèlerinage, un lieu de doua, d'invocation. Donc c'est un moment, Maqam Ibrahim, où on fait tawaf, ça fait partie du hajj. On peut faire rak'atin, ça fait partie aussi de l'adoration d'Allah
dans ce lieu, dans cette enceinte. Et puis les invocations aussi, c'est très important. Ad-du'a, ad-du'a, ad-du'a. Et puis tout autour de la Kaaba aussi, c'est un lieu sacré. Al-Haram, l'enceinte de la Kaaba. Et puis le lieu où il y a le maqam, là où il y a les deux pieds de Ibrahim alayhi salam. Alors, Allah Azzawajal nous dit, c'est un lieu de dhikr, c'est un lieu de dua, c'est un lieu de salat. C'est très important d'adorer Allah à ce moment-là. On y pratique deux unités sunna et Allah ajoute, et nous avons demandé à Ibrahim et Ismaïl de purifier ma maison. La Kaaba a été purifiée. Allah leur a demandé de purifier, de nettoyer, de quoi Allahu a'lam exactement, mais de purifier de ce qui n'était pas bon. Pour ceux, subhanallah, c'était quelque chose qu'Allah azawajal a voulu pour la communauté. Pour qui? Pour ceux qui veulent tourner autour de la Kaaba. Eh bien, la Kaaba a été purifiée par Ibrahim alayhi salam et Ismaïl. Pour ceux qui vont venir faire tawaf, la Kaaba a été, vous, il faut le savoir, a été purifiée par Ibrahim alayhi salam et Ismaïl. Et puis pour ceux qui veulent s'asseoir autour et méditer, contempler, faire du dhikr. Le haram, l'enceinte, est grande et on peut être soit à l'étage, soit être en bas, et soit être à 2 mètres plus loin, et puis s'asseoir et faire du dhikr et contempler. Et Allah Azzawajal leur a demandé de purifier cette maison pour ceux qui vont faire ar-ruku' wa sujoud, s'incliner et se prosterner pour se rapprocher d'Allah. Allah va mentionner la salat pour ceux qui veulent se rapprocher. Il faut vraiment intégrer ça. La salat te rapproche d'Allah. La salat t'élève. La salat te purifie tes péchés. La salat est un moyen de se rapprocher d'Allah et Allah te donnera, te comblera tant que tu restes dans la crainte de salat en salat. Le verset 126, Allah Azzawajal nous dit « Wa idh qala Ibrahimu Rabbi » et là on va rentrer dans les doigts. « Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min al-thamarati man amana minhum billah wa bil yawm al-akhir. Qala wa man kafara fa'umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azab al-nar wa bi'is al-masir. » Et quand Ibrahim a dit « Seigneur, fais de ceci la Mecque, un pays en sécurité et protégé, et comble ses habitants de fruits. Ceux parmi eux qui ont cru en Allah et au jour dernier. Il demande, et ceux qui ont renié, c'est Ibrahim alayhi salam, alors je les comblerai de peu, puis je les contraindrai, je vais les contraindre au châtiment de l'enfer, et quelle malheureuse destination. La doua de Ibrahim alayhi salam a voulu que la Kaaba soit protégée, que la Mecque soit protégée, qu'on soit comblé des fruits, des biens, de la marchandise, de toutes sortes de fruits de la part d'Allah Azzawajal. Quel est cet imam? Quel est ce prophète? Quel est ce messager qu'Allah a aimé? Il a le souci de lui-même, de ses enfants. Il a le souci de sa communauté. Et quand je dis sa communauté, c'est jusqu'à aujourd'hui, on va y revenir. Cet imam, ce leader, ce chef de tous les prophètes, eh bien, subhanallah, a un statut assez particulier. Pourquoi? Parce qu'il a le souci des autres. Ce n'est pas que ma petite famille. Je vois loin toute ma descendance jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Il a le souci, il est visionnaire, il voit très loin et il se dit, subhanallah, ma communauté. C'est comme ça que nous aussi on doit réfléchir. Dans l'association, nous, on a du mal à gérer juste une famille ou une association. On a du mal, subhanallah. Lutte pour le pouvoir. On croit donner le meilleur, mais on a un comportement à revoir. Et à nous de se reconnecter avec Allah et de se dire, il y a des limites que je ne dois pas dépasser, enfreindre. L'ihtiram, le respect, c'est de ne pas dépasser le sacré. L'autre est sacré, ses paroles sont sacrées, je ne dois pas les déformer. Ses biens sont sacrés, sa personne est sacrée, je ne dois pas dépasser les limites. Et surtout dans le couple.
Surtout dans le couple, l'autre est sacré. Je ne dois pas faire du mal à l'autre. C'est ce que ça veut dire quelqu'un de sacré, une personne sacrée et des valeurs sacrées. Ici, Ibrahim alayhi salam va avoir le souci de toute la Mecque. Et il va demander à Allah azawajal de protéger ce lieu. Alors cette doua, elle a eu lieu quand? Hajar et Ismaël. Souvenez-vous de cette histoire. Cette histoire, on peut vraiment la méditer en profondeur. Et on doit la méditer en profondeur. Parce que notre prophète Ibrahim alayhi salam, souvenez-vous, il reçoit l'ordre de quitter la Palestine avec Hajar et Ismaël pour se rendre à la Mecque, dans une vallée. Et une vallée aride, il n'y a absolument rien. Mais vraiment rien. Quand vous allez à la Mecque et vous voyez tout ce que vous voyez, subhanallah, il n'y avait absolument rien. Le vide complet et total. Ce n'était que des montagnes et de la pierre. Alors, Ibrahim alayhi salam va réussir le test. Quel test? C'est un petit peu comme la maman de Moussa. Elle doit abandonner son enfant. Ibrahim alayhi salam doit abandonner Hajar et Ismaïl dans cette vallée. Et pourtant, la raison va te dire, un petit peu comme Moussa, mais qu'est-ce que tu fais? Tu tues un enfant? La raison dit ça. Mais Ibrahim ne s'est pas contenté que de la raison. C'est l'ordre d'Allah, tout simplement. C'est ça le tawakkul, c'est d'accepter l'ordre, d'accepter le décret, d'accepter le choix et la volonté d'Allah. Alors Hajar lui dit, mais tu nous laisses, tu nous abandonnes. Moi, ce petit bébé, tout seul dans la Mecque, dans la vallée, il n'y a rien. Ibrahim alayhi salam ne dit rien. Et elle repose la question une deuxième fois et une troisième fois. Est-ce que c'est Allah qui t'a demandé de nous laisser? Regardez la foi de cette femme. Oui, c'est Allah qui m'a demandé de vous laisser. Ici, tous les deux. Et moi, je repars. Et elle lui dit, eh bien, si Allah t'a demandé de le faire, alors Allah ne nous abandonnera jamais. Regardez le yaqin, la conviction totale, aucune seconde de doute. C'est Allah, c'est le choix d'Allah? D'accord, moi j'accepte. Alors, elle ne se contente pas, et c'est une femme ici, subhanallah, elle ne se contente pas de s'asseoir et d'invoquer, oula, elle se dit, tiens, quelqu'un va passer, oula. Action, réaction, elle se lève, j'ai un enfant qui pleure, qui a besoin de moi, et pourtant, elle ne voit rien autour d'elle, et il n'y a absolument rien, subhanallah. Et elle va partir de Safa à Marwa, et de Marwa à Safa, et de Safa à Marwa, et de Marwa à Safa, 7 fois. Subhanallah, elle fait les efforts et pourtant il n'y a rien. Et elle demande à Allah de protéger cet enfant. Et Jibril alayhi salam va descendre et va donner un coup dans le sol. Et Zamzam, l'eau de Zamzam, va jaillir du sol. Alors, elle voit des oiseaux dans le ciel. Elle se dit, qu'est-ce qu'il fait des oiseaux? Comment des oiseaux? Ils s'arrêtent comme ça, ils survolent un endroit. Et elle revient, subhanallah, parce qu'il y avait de l'eau. Allah azawajal est capable de toutes choses. Comme ce poisson, pour Moussa et Al-Khidr, et Moussa et le garçon, le poisson est devenu vivant. C'est ça notre religion. C'est ça le lien avec Allah. C'est de croire absolument, avec détermination, qu'Allah est capable de toute chose. C'est une confiance aveugle. Et oui, c'est une confiance aveugle. Ce n'est pas ton cœur qui est aveugle. C'est ta confiance. Elle est aveugle en Allah. Et elle revient. Et elle voit de l'eau. Mais qui l'aurait cru, subhanallah? Qui aurait cru? C'est comme pour Maryam, alayhi salam. Elle devait faire les efforts. Wa huzzi ilayki bi jad'i nakhla. Le tronc du palmier était mort, était sec. Il ne vivait plus ce tronc, il ne donnait plus rien, il n'y avait plus de branches. Elle a secoué un petit peu, juste fait les efforts, Maryam. Et les dattes sont tombées. Moussa, d'un simple coup de bâton, imaginez l'étendue d'une mer. C'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. On parcourt en bateau.
un bâton, subhanallah, et la mer entière s'est fendue. Allahu Akbar. Al-yaqin, wa ma adaraka mal-yaqin, la conviction, la détermination, une foi ferme, une foi, même la tempête, le tsunami ne doit pas emporter ta foi, subhanallah. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors tous ces exemples, ces modèles, ce sont nos modèles. On doit se les remémorer tous les jours. Ici, Ibrahim alayhi salam va faire des efforts. Hajar va faire des efforts. L'eau va jaillir. Et regardez, subhanallah, elle ne veut pas que l'eau s'éparpille. Et elle dit zam, zam. C'est-à-dire ne t'éparpille pas, ne t'éparpille pas. Elle a parlé à l'eau. Allahu Akbar. Regardez ce... Les paroles positives ont eu un impact et l'eau est restée à son endroit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, va commenter ce passage en disant « Si Hajar n'avait pas dit zem zem, eh bien l'eau là qui jaillit, eh bien ça serait une étendue d'eau sur la terre. Dans cet endroit, subhanallah. » Alors regardez comment la parole a un impact. La parole positive, la parole bonne, elle a un impact même sur l'eau, même sur, subhanallah, la terre. Alors, n'essayez pas de penser que, oui, ça n'a rien à voir. Non. Rien qu'ici, quand on récite le Coran dans l'eau, mais c'est encore mille fois mieux. Elle a juste dit, zam, zam, ne t'éparpille pas dans la langue hébreu. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous montre des choses à nous de bien réfléchir, de se poser et d'aller en profondeur, on ne se contente pas de la surface. Chacun est capable de méditer, chacun est capable de comprendre des choses, et on demande à Allah de nous aider à mieux comprendre. Et quand Ibrahim a dit, Seigneur, fais de ceci, la Mecque, un pays en sécurité, un pays protégé, et un pays comblé de tes bienfaits, de tes fruits. Regardez, subhanallah, on est chef de famille, et bien on demande à Allah, Ya Allah, protège mes enfants. Ya Allah, comble mes enfants. C'est pas grâce à mon travail le matin ou grâce à mon intelligence, non. Ad-du'a, 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 ad-du'a avec les enfants, c'est beaucoup de du'a avec la famille, c'est beaucoup de du'a. Mais bil-yaqin, comme Hajar, elle est partie déterminée et Allah le lui a rendu tout simplement. Ayons cette foi, ayons cette force, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, un tawakkul pur et excellent. Et il demande, et ceux qui ont renié, eh bien eux, Allah leur donnera un peu, mais ils vont subir le châtiment. Ils seront dans la contrainte de subir un châtiment. Et oui, chacun selon ses actes, chacun selon ses œuvres, à nous d'amasser le maximum de bonnes actions, mais pour Allah uniquement. Et cette foi, wallah, c'est un cadeau. Je le répète et je le répète encore et je le répéterai. Cette foi, c'est un cadeau d'Allah. De dire la ilaha illallah, d'accomplir sa salat, d'accomplir d'autres rites, d'autres pratiques. Subhanallah, c'est juste un cadeau d'Allah. Et Allah ajoute, et quelle malheureuse destination. C'est là le malheur. C'est là être vraiment malheureux. C'est pas sur cette terre, tu passes un test et tu as perdu telle chose, tel bien ou telle personne. C'est pas ça le malheur. Le malheur, c'est quand tu as perdu ta foi. Le malheur, c'est quand tu arrives dans l'au-delà, c'est trop tard, tu ne reviens plus. Et là, tu es dans les abysses, en enfer. Il est là l'échec. C'est là où tu pourras dire « j'ai échoué ». Verset 127, 128. Et 129, les trois derniers versets pour aujourd'hui, on continue dans l'invocation d'Ibrahim alayhi salam. Regardez comment nous aussi on doit s'imprégner de ces doigts. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Isma'il, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-'alim. Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma
ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Et quand Ibrahim et Ismaïl levaient les fondations de la Kaaba et disaient « Seigneur, accepte de nous cette œuvre, tu es vraiment celui qui entend parfaitement tout et qui a la connaissance parfaite. Seigneur, fais que nous soyons tous les deux soumis à toi et fais que nos enfants soient une communauté soumise entièrement à toi et montre-nous nos pratiques pour bien t'adorer. » Et accepte notre repentir, car tu es celui qui accepte le repentir constamment, et tu agis avec bienveillance. Seigneur, envoie parmi eux un messager, parmi eux, de chez eux, pour leur réciter, qu'il leur récitera tes paroles, tes versets, et qu'il leur apprendra le livre, le Coran, et leur apprendra la sunna, et il les aidera à se purifier. Tu es vraiment le puissant et l'invincible, parfait, et le sage, parfait. Des invocations très très touchantes, subhanallah. Ils sont en train de nous enseigner quoi? Ils sont dans un acte d'adoration, celui de se soumettre à Allah, de lever les fondations de la Kaaba. On dit qu'au début, subhanallah, les fondations étaient dans le sol. C'était Adam alayhi salam qui avait construit les fondations. Et il va falloir bâtir les murs. La base, lever la base. D'accord ? Il va falloir construire les murs. Pendant qu'il construisait, il demandait à Allah, « Ya Allah, accepte ce qu'on est en train de faire. » Avoir, subhanallah, le souci. Ya Allah, accepte ma salat. Ya Allah, accepte ma sadaqa. Ya Allah, accepte mon invocation. Ya Allah, accepte ma bienveillance envers mes parents, envers mes enfants, mon époux, mon épouse. Ya Allah, accepte ce que je suis en train de faire. Vous voyez, subhanallah, et on n'est même pas dans l'ostentation, on n'est pas dans le shirk. On est vraiment dans le souci que ça plaise à Allah. Et on a cette ambiance, subhanallah, familiale. Le père, le fils. Le père est un modèle pour son fils. Et il accomplit des choses avec son fils, avec son enfant. Et il est dans ce monde spirituel, dans ce monde attaché à Allah. Seigneur, accepte de nous cette œuvre. Vous vous rendez compte, subhanallah, ils avaient le souci du kaboul. Ya Rabbi taqabbal minna, ya Rabbi taqabbal minna. Le kaboul, c'est qu'Allah accepte. Tu es vraiment celui qui entend parfaitement tout et qui a la connaissance parfaite. Tu sais qu'on est tes serviteurs. Et tu sais, subhanallah, qu'on le fait pour toi. À chaque doua, à la fin, vous allez voir, il y a deux noms d'Allah. Ils font l'éloge de leur Seigneur parce qu'ils l'aiment et ils savent qu'Allah aime qu'on lui fasse ses éloges. Et ils ont besoin qu'Allah accepte. Et toute bonne action a besoin d'être acceptée, validée, par Allah, qui lui le cachait le tampon d'Allah. Seigneur, fais que nous soyons tous les deux soumis à toi. Voyez, subhanallah, ils avaient le souci. Ya Allah, protège-nous des péchés, protège-nous du shirk, de l'ostentation. Ya Allah, fais qu'on soit soumis à toi, qu'on ait le meilleur comportement, qu'on ne te désobéisse pas avec nos familles, à l'extérieur, à l'intérieur. Et fais que nos enfants soient une communauté. J'étais impressionnée par ce mot dans ce verset. Ummatan, fait que nos enfants soient une communauté, c'est-à-dire que les enfants des enfants, la descendance, toute la descendance, soit une communauté unie à jamais et soumise à toi, qui soit obéissant, qui aime t'obéir, aime te satisfaire, et même quand ils sont tombés dans le péché, ils aiment revenir vers toi parce que tu aimes le repentir et tu es constamment dans le repentir. Et montre-nous nos pratiques. Oui, subhanallah, parfois on peut être seul, on ne sait pas comment faire, comment prier ou comment invoquer. Parfois j'ai des questions dans ce sens. Ya Allah, montre-moi comment t'invoquer. Montre-moi une belle invocation, comment t'invoquer. Ya Allah, montre-moi comment prier, comment accomplir la salat avec concentration et sérénité. Tout simplement. Tout simplement. La religion, c'est demander. La religion, c'est exécuter les ordres d'Allah. Et accepte notre repentir. On est avec qui? Ibrahim alayhi salam, un élu, un imam, un guide, un modèle avec son fils.
Ya Allah, accepte notre repentir. At-tawba, pourquoi le repentir? Tu peux faire des erreurs et ne pas les voir. Tu peux manquer dans ta salat ou dans n'importe quel acte d'adoration et ne pas t'en apercevoir. Tu peux parfois être dans l'ostentation, dans un petit, dans un grand péché. Et parfois tu le sais, parfois tu ne le sais pas. Tous ces manquements, toutes ces erreurs, il va falloir les corriger par un repentir. Laver, on ne sait pas, Allahu a'lam. À ce moment-là, peut-être que j'ai exagéré. Peut-être que je n'étais pas dans le cadre, peut-être que je n'étais pas sur le droit chemin. Alors on lave constamment, on ne sait jamais. On lave constamment nos péchés par un repentir sincère. Pourquoi? Car tu es celui qui accepte le repentir constamment, at-tawwab, constamment. Allah est là pour accepter. Allah est là pour entendre notre repentir constamment. Tawwab, tout le temps. Tu vas faire des erreurs et tout le temps tu dois revenir. Tu agis avec bienveillance, ar-Rahim. Le fait que tu acceptes notre repentir, c'est une rahma pour nous. Et les deux nous donnent ici une leçon de repentir. Ça signifie que t'as beau être qui tu es, tu te dois d'être dans le repentir. Hadha fard, c'est un acte d'adoration non négociable. Tu ne dois pas réfléchir pour cet acte. Et Allah Azza wa Jal, maintenant, va nous parler, la suite de cette invocation, d'une grande rahma que Ibrahim alayhi salam va demander. Seigneur, envoie parmi eux et de chez eux un messager. Il s'agit là de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, Ibrahim, ensuite toute la descendance, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il leur récitera tes paroles. Regardez le souci d'un père. C'est pour ça qu'on l'appelle le père Ibrahim, notre père Ibrahim. Il avait le souci de toute sa descendance jusqu'à chez nous, jusqu'à nous. Ce messager, il ne va pas avoir de descendance masculine, mais il va avoir une communauté d'hommes et de femmes qui vont le soutenir et le suivre, qui va leur réciter tes paroles. Il va leur apprendre comment... réciter les règles du tajwid, comment apprendre, se mémoriser, et puis aussi comment méditer le Coran, comment le mettre en pratique. Tout ceci vient de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas une science qui est née comme ça. Le tafsir, comment lire le Coran, eh bien ça vient de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comment pratiquer, comment mettre en pratique, on a besoin vraiment de la sunna. Et d'ailleurs, Ibrahim alayhi salam le dit et envoie un messager qui va leur apprendre la sunna al-hikma. Ici veut dire la sunna, la tradition de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-hikma vient du mot hakama, juger, mais être un juge juste. Juger que là je suis au bon endroit. Juger ici que c'est la bonne parole que je dois prononcer. Juger ici que c'est le bon acte à accomplir. Vous voyez, subhanallah, avec son épouse, on est avec son épouse, avec son enfant, on est avec son enfant, avec ses parents, on a un autre comportement. Et à chaque fois, on va doser. Et à chaque fois, on va avoir le meilleur comportement. On a besoin de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, prenez juste la salat. On n'a pas fajr, dhuhr, maghrib, asr, maghrib, isha. Tout a été expliqué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il les aide et qui les aidera à se purifier. Ici, la zakat, c'est la zakat en nature, mais aussi c'est la zakat, la purification de l'âme. Il va les aider à se purifier du shirk, de l'ostentation, des péchés. Et il nous a tout enseigné comment purifier ce cœur et présenter, subhanallah, un diamant pour son Seigneur. Tu es vraiment le puissant. Tu es vraiment l'invincible. Rien ne te résiste, ya Allah. Tu es capable de toute chose. Tu peux aider cette communauté, tu peux aider cette descendance. Et tu peux accepter nos actes bons et sincères, vous et à toi. Et tu es le sage parfait. Tout est à sa place avec toi, ya Allah. Tout est de manière juste. Et Allah Azza wa Jal est le juste et le juge parfait. Trois invocations ici, subhanallah, avec l'éloge d'Allah. Trois manières d'invoquer, trois manières de se soucier de sa communauté.
Et Allah Azza wa Jal nous dit ici que Ibrahim alayhi salam était vraiment aimant d'Allah. Il aimait faire l'éloge de son Seigneur parce que il l'aimait profondément. Vous voyez que quand on aime quelqu'un et on aspire à l'admirer, j'apprécie ça chez toi, j'apprécie ce que tu fais, j'apprécie ton geste, j'ai apprécié tes paroles. Vous voyez, quand on aime quelqu'un aussi, on le valorise. Et c'est comme ça que les choses, les relations se maintiennent entre nous. Demain, Inch'Allah, on verra la suite, la réponse qu'Allah va apporter au Bani Israël qui revendiquait ce bien-aimé Ibrahim alayhi salam comme faisant partie de leur communauté. Mais quand on revendique justement une appartenance, il va falloir aussi le suivre en modèle. Ça n'est pas ce qu'ils ont fait, ça n'a pas été leur comportement. Le cœur, et absolument le cœur, ne vous étonnez jamais du comportement des autres. Tout vient d'ici. Le cœur, c'est le roi. Le cœur, c'est le chef. C'est lui qui va orchestrer. C'est lui qui va donner les directives. C'est lui qui va commander. Et puis, de dire à la bouche, à la langue, qu'est-ce qu'elle doit dire, au comportement, qu'est-ce qu'il doit faire, comment on doit agir. Tout émane du cœur. Qu'Allah accepte ce cœur, qu'Allah le purifie jusqu'à la mort, qu'Allah accepte nos bonnes œuvres, et oui, on doit le demander, qu'Allah accepte ce moment qu'on vient de passer ensemble autour du Coran, et tous les moments qu'on a passés ensemble depuis le début du confinement jusqu'à maintenant, et qu'Allah accepte entièrement nos œuvres pour lui. Seigneur, accepte de nous, tu es celui qui entend parfaitement, tu es celui qui sait tout, qui aussi accepte le repentir, Seigneur, pardonne-nous. Et qu'Allah nous accorde le meilleur et que demain soit toujours meilleur qu'hier. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Un grand, grand merci du fond du cœur pour votre écoute. S'il vous plaît, ne partez pas. S'il vous plaît, ne partez pas. Comme hier, on reste pour les doigts, on invoque Allah Azza wa Jal tous ensemble. Regardez Ibrahim et Ismaïl, père et fils, ils invoquaient pour toute la communauté, tous ceux qui vont venir après. Nous, on doit être aussi dans cet effort, dans ce modèle, de suivre ce modèle et d'invoquer pour toute la communauté. Et on est nombreux, mashallah, Allah ibarak, on doit continuer. Et c'est un moment fort avec Allah, sa majesté, et qu'Allah fasse que ces moments durent. Jusqu'à la fin des temps. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Alors, je tombe sur un message. Subhanallah, c'est vraiment fascinant avec Allah. Et oui, ça mouite. C'est juste magnifique. Des paroles douces qu'Allah nous transmet à travers ce Coran. Des paroles magnifiques. Des paroles qui ont un impact positif. Des paroles qui apportent la sérénité et le calme. Des paroles pleines de lumière. C'est vraiment ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a offert dans ce livre de lumière. Kadi, barakallahu fik, un grand merci aussi à toi, qu'Allah te récompense, qu'Allah vous récompense vraiment pour votre écoute, votre bienveillance, et qu'Allah vous honore dans les cieux auprès de ses habitants, les anges, amin, ya rabbal alamin. Wa alaikum salam, orti latif, shakir, barakallahu fik, Allah yarda alik, orti. Amin, amin, amin. Sallallahu alayhi wa sallam, et oui, il y en a qui ont mis... Salawat wa rabbi wa salamu alayhi ala Ibrahim alayhi salam. Donc, quand on va faire tahiyat dans la salat, quand on fait salat à l'Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, on lui doit justement ces belles invocations, cette douceur dans le souci, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'amour de tous les prophètes et les messagers. Amin ya rabbal alamin. كلمة الله في زمن 2021 الحمد لله مشكور أنت أخي محمد شاكر بارك الله فيك أمين الله يرضى عليك الله يرضى عليك أمين أمين لوتنتيك سبحان الله أي وي بارك الله فيك merci pour ton message الحمد لله c'est les paroles d'Allah qui apaisent les cœurs. Mariam du Maroc, quand je rate ce live, je suis vraiment déçue, mais je ne retourne toujours. Alors, je retourne ou pas à l'enregistrement, quel agréable. Ah, je retourne toujours à l'enregistrement, quel agréable rendez-vous. Allah, mille merci, ma soeur, sa mère. Mariam du Maroc, un grand salam à toi, ça méritait que je te cite. Barakallahu fik. N'hésitez pas à mettre vos petits messages, je patiente mes doigts.
mettre du temps à être exaucée, je perds espoir. Et non, et non, et non, et non, et non. Allah Azza wa Jal accepte de celui, subhanallah, qui est ferme dans son invocation. J'invoque et je laisse entre les mains d'Allah le choix du doigt à l'accepter d'Allah. Et Allah, il t'a déjà répondu, mais tu ne le vois encore pas. Yusra. D'accord, Yusra, tu ne vois pas encore. Mais Alhamdulillah, t'a déjà exaucé. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un rendez-vous, d'une consultation, d'aller sur le site scanetserenite.com. Si certains ou certaines, hommes et femmes bien sûr, frères et sœurs, si vous avez besoin de me consulter, je serai à votre disposition comme vous le souhaitez. Alors, Soso, toujours aussi réconfortant, c'est live, toujours autant de bienveillance. Barakallahu fik samah, amin, ainsi qu'à mes frères et sœurs, elle dit amin, amin, ya rab, barakallahu fikum, Allah vous protège. Et elle dit Midani, tu nous fais vraiment bien comprendre, alhamdulillah, alhamdulillah, ça c'est vraiment le cadeau d'Allah à toute la communauté et moi la première. Alors, oui, les doigts, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un live pour les invocations. Un live, mais en dehors du tafsir, un live, inshallah, avec les invocations, comment invoquer Allah, pourquoi il faut invoquer Allah, et puis comment on est exaucé par Allah, azza wa jal. C'est vrai, inshallah, peut-être le prochain live que je ferai, ça sera sur les invocations. C'est important parce que je vois que... ça n'est pas toujours évident à comprendre. Voilà. Amin, amin, qu'Allah vous récompense tous et toutes. Amin, ya Rabbal Alamin. Inch'Allah, on va s'arrêter là, puisqu'il n'y a pas d'autres questions. On va faire doa, doa, restez, restez, s'il vous plaît, restez, revenez, 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 revenez. On fait doa, doa, doa. Et oui, Ibrahim alayhi salam a fait une doua pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il est arrivé des années après. C'est une... Voilà. Mais Inch'Allah, je ferai Inch'Allah un rappel sur les invocations. C'est très très important. Fatiha Doun, t'es la bienvenue, Ourti. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Vous voyez, Fatiha Doun dit c'est la première fois que j'écoute, donc qu'elle m'écoute et elle trouve ça magnifique. Machin, là. Vous voyez, vous avez partagé, c'est arrivé entre les mains. Fatiha, tu partageras tous les lives à chaque fois, tu partageras, tu verras que tu en inviteras d'autres qui ne connaissaient pas ce live. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين اللهم اغفر لهذه الأمة اللهم تقبل من هذه الأمة صالح الأعمال اللهم تقبل من هذه الأمة جميع دعائها اللهم ارحم هذه الأمة اللهم احفظ هذه الأمة اللهم استر هذه الأمة اللهم عليك توكلنا اللهم إليك أنبنا فاغفر لنا جميعا وتب علينا جميعا وزدنا ولا تنقصنا جميعا يا رب العالمين اللهم ارزق الفردوس الأعلى لهذه الأمة اللهم ارزق الفردوس الأعلى لهذه الأمة
اللهم ارزق الفردوس الأعلى لهذه الأمة، اللهم احفظ شباب هذه الأمة، اللهم احفظ أولاد هذه الأمة، اللهم احفظ الشباب هذه الأمة، واحفظ أولاد هذه الأمة وبنات هذه الأمة، اللهم احفظ بنات هذه الأمة، اللهم استر نساء هذه الأمة، اللهم احفظ رجال هذه الأمة يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ إيمان هذه الأمة، اللهم اجعلنا لك مسلمين ولك خادعين، اللهم اجعلنا من المسلمين ولك خادعين، اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار ومن عبادك الأخيار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا وعتنا ولا تحرمنا، اللهم نور قلوبنا ونور قبورنا، اللهم نور قلوبنا ونور قبورنا، وارحم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه، يا رب من كان مدينا فسدد دينه، ومن كان طالبا فنجحه، يا رب من كان عازبا فزوجه، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. من كان مظلوما فانصره، اللهم من كان مظلوما فانصره أينما كان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا زلاتنا وخطايانا وذنوبنا وإسرافنا في أمورنا كلها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحم الأيتام وارحم المساكين وارحم جميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا وزدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين التائبين الذاكرين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. الحمد لله pour ce moment agréable avec notre Seigneur, avec cette belle communauté. Qu'Allah vous accorde le meilleur et qu'Allah Azza wa Jal vous apaise ce magnifique cœur et qu'Allah fasse que nous nous retrouvions demain, Inch'Allah, à 15h. À demain. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.